Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Emric et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur le jeu Star Wars Empiratoire. On avait déjà fait un épisode 1 où on s'était battu donc dans les airs en aérien, donc une bataille spatiale contre l'Empire. Eh bien, cette fois-ci, comme je vous l'avais promis la dernière fois, nous allons faire une bataille terrestre. C'est parti. Bien évidemment, pour l'instant, on va se battre en terrestre. Et après, on fera une invasion. Si je vois que la vidéo. Pardon, l'épisode 3, ça sera une invasion, pardon. Voilà. Et donc, ça va être encore une fois contre une intelligence artificielle facile. Parce qu'on commence gentiment. Alors, par contre, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une bataille terrestre. Tout est dans le nom. En fait, c'est le même principe que des batailles spatiales. Mais sur Terre, bon, il y a 2-3 points de discorde. C'est-à-dire qu'on a quand même accès à des petits vaisseaux. D'accord. Excusez-moi, j'ai même pas vu qu'on était dans l'espace et non sur la surface. Bien sûr, c'est de la surface. Donc, je disais avant de faire cette erreur que les 2-3 différences, c'est que voilà, on avait accès aussi à des petits vaisseaux juste pour pouvoir aller bombarder, c'est-à-dire des ennemis. C'est plus facile. Par contre, ça marche pas si l'ennemi construit ce qu'on appelle des tourelles anti-aériennes. Il y a bien évidemment aussi des tourelles, donc c'est tout ce qui est pour. Par contre, j'ai baissé un peu le volume des bruitages parce que ça me paraît assez élevé. Je vais aller dans audio. Bon, je vous fais ça tout ça en live, je suis désolé. Voilà. Donc, il y a des tourelles anti-infanterie, pardon. Et il y a les tourelles anti-véhicules. Donc anti-véhicules, tout est dans le nom, si jamais l'Empire s'y ramène. Par exemple, on imagine, on prend le cas des fameux TBTT qui sont extrêmement connus. Eh bien, les tourelles anti-infanterie ne pourront pas les repousser. Par contre, les tourelles anti-véhicules pourront les repousser. Par contre, ils sont très inefficaces contre des soldats tels les Stormtroopers. Parce que c'est pas leur but premier. Voilà. Tout simplement. Et au plus on a des tourelles anti-aériennes, au plus on est efficace. Et c'est très important d'avoir des tourelles. Et on va aller bientôt, bien sûr, bien évidemment, se prendre un peu d'argent. C'est important l'argent. Sinon, il ne fonctionne pas. Et donc, nous allons aller à un point. Donc, on appelle ça un complexe minier. Ça va être un complexe minier, mais sur Terre. Bien évidemment, après on aura des améliorations et on pourra mettre plus d'unités et des unités plus développées parce que ça, c'est les unités de base, les unités lambda. Y a plein de trucs qu'on n'a pas mis parce qu'on n'a pas assez d'argent, comme vous voyez. Et c'est à ça que servent les complexes miniers. Là, vous allez voir après plus tard à quoi ça sert. J'essaie d'aller le prendre même. On va essayer de voir. Voilà. C'est un petit truc comme ça qu'on est en train de voir là. J'espère que la série vous plaît parce que j'ai vu que vous n'étiez pas trop habitué. À ce genre de série sur la chaîne et ça se voit, le Minecraft ça fait toujours un peu plus de vues, mais bon, moi j'ai envie de continuer cette série parce que ce jeu me plaît plutôt bien. Il est un peu vieux, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Mais bon, il y a quelques bugs des fois, mais sinon, dans la globalité, je trouve qu'il est plutôt bien. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux contrôler des unités, contrairement à Battlefront où tu es la personne, donc c'est à dire que c'est comme si ils avaient mis une caméra à l'intérieur de cette personne là, par exemple. Alors que là, c'est nous qui contrôlons nos troupes et qui sont en mode bon, bah vous allez là, vous allez bombarder ici par exemple, et on peut même avoir des grosses troupes. Bon, le seul truc dommage, c'est que des fois nos troupes sont limitées, et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on va aller prendre un point, ça va pouvoir se mettre ça. On va pouvoir se mettre bien. Et normalement, notre base elle est assez développée pour pouvoir les repousser. Hein. Faut pas s'occuper de ça. Hop. Parti. Et là, par contre, on va les laisser là, les soldats. Voilà. Ça, c'est génial. Ça nous permet d'être plus rapide. Ah, eux, ils sont pas gentils. Ah, par contre, faut partir, les mecs là. Eux, ils sont pas cool. Ils sont vraiment, vraiment pas cool, les mecs comme ça. Regardez, on les voit arriver. On a bien fait de venir, je pense. Pourtant, ils sont loin, leur base. On est à 1000, là, c'est bien.
Bon, on va attendre. Bon, on va quand même faire venir quelques unités. Hein, parce qu'on n'est pas, on n'est pas excellent non plus. On va aller prendre cet endroit-là, qui va nous permettre de gagner plus d'argent. Donc bien sûr, il faut attendre un petit peu. Ah eux, c'est des ennemis. Attention à TRTT. Oh. À faire venir des nouvelles troupes. Voilà. Pour l'instant, on va avoir des bons revenus sur le coup. Bon, par contre, là, je vais aller les détruire ici, là, parce qu'ils sont un peu chiants. Sur le coup. On va faire venir un peu plus d'unités. Les gars, venez nous aider. Là, je... Allez-y, les mecs! Tant qu'ils sont bons. Voilà, comme ça ils nous embêteront plus maintenant. Et là on va aller mettre une tourelle anti-véhicule pour les énerver un peu. Ah par contre là on va devoir faire venir un peu plus d'unités les mecs. S'il vous plaît. Hop. On va s'améliorer technologiquement dès qu'on aura l'argent. On n'est pas bientôt à leur base quand même, si? On est en train de les avoir jusqu'à l'os. Bon, au moins on les tiendra à l'écart. C'est bien ça. Hop. Voilà. On va aller mettre une petite anti-véhicule là. Comme ça, ils vont arrêter de nous énerver. Je n'arrive pas à parler. Ils vont arrêter de nous énerver un peu. Hein, parce que. C'est pas que c'est ça, mais bon. Voilà. On va rester. Ah, par contre, non, les mecs, on va se replier un peu. On se met ici, toi aussi, allez là. Voilà, et on va s'améliorer technologiquement. Ouais, on va les mettre là. Comme ça, on est bien. S'ils viennent, on sera. Là, c'est des soldats, ils vont se faire tirer dessus. On n'a plus d'ennemis ici. Et moi, j'ai pas envie de tenter d'aller prendre là en fait. Pour l'instant, on est bien. On est à 2000 euros là. Et on va peut-être améliorer. Est-ce qu'on peut améliorer là-bas? Non, là on peut pas. C'est simple. Hein. C'est une matrice de ressources rebelles, donc c'est tout petit. Alors que là, par exemple, c'est carrément un complexe minier. Donc c'est plus grand et ça rapporte beaucoup plus d'argent. C'est un peu équivalent aux planètes qu'on avait dans les batailles en espace. Voilà. Bon, alors là, pour l'instant, bon, on est bien, on est plus ou moins bien. Là, à mon avis, ça doit être leur base ici. Donc, je vais pas tenter. Regardez, ils arrivent. Ils vont essayer de courir, mais hop. Voilà. On est vraiment nombreux hein, sur ce cas-là pour les avoir. Donc ça m'étonnerait qu'ils survivent. Voilà. Sur le coup, c'est plutôt rapide. Alors, est-ce que l'amélioration technologique... Oui, regardez. Alors là, c'est super sympa, ça. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça, si vous voulez bombarder les mecs, c'est le meilleur moyen, quoi. Est-ce qu'on a des... Ça, je sais pas. Est-ce qu'on a... Déjà, on a Han Solo. On a Kai Katarn. Est-ce qu'on a des comment... Je sais pas comment on appelle ça, mais... Tourelle plus. Non, j'ai pas envie de tenter. Ah! Ça, vous allez voir à quel point c'est bien, ça. On va en mettre une. Peut-être même deux.
5, 6, allez. Et les trois derniers, ça va être les speeders. Et vous allez voir à quoi ça sert les speeders, c'est excellent. Ça, vous allez voir, c'est fait pour bombarder, voilà, c'est un peu des... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est un peu pour... Voilà, regardez. Regardez. Vous voyez, bon là c'est un peu énervant. Regardez. Et là on peut les écraser bien sûr. Hein, parce que c'est pas drôle sinon. Ah eux je les ai pas vus par contre. Mince. C'est en train de nous intégrer. Oh 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 oh. Du coup j'ai mal prévu. Attendez. Voilà. Et donc on va les mettre là. Voilà. Et eux on va les déplier. Et vous allez voir ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est bon les uns. Et vous allez voir. Là à partir de maintenant, s'ils ont pas de tourelle anti-aérienne, ils sont finis les mecs. Regardez. Alors là c'est du bombardement massif là. Enfin massif. Je sais pas aussi massif que ça. Par contre il y a un truc qui font qu'ils se régénèrent, regardez. On le voit. On peut limite les attaquer comme ça, hein, les gars. S'ils n'ont pas de tourelle anti-aérienne pour nous tuer. Franchement, on peut les bombarder jusqu'au bout. On va profiter d'un moment de... Hop. Voilà, on va les mettre ici. Dès qu'on peut, on tire. Regardez un peu l'effet que ça fait sur eux. Bah, ils sont morts. Ça règne des petits trucs comme ça, franchement. Regardez. Voilà. Et donc là, ils vont tirer là-dessus. C'est efficace, hein, souvent. Regardez, ils tirent tout seuls, ils sont autonomes, les mecs. Bon, souvent, le terrestre, c'est mieux, hein, niveau... Bon, alors franchement, par contre... ouais, d'accord, ouais, c'est une solution, effectivement. Bien sûr. Après, ils peuvent reconstruire, hein, donc faut faire attention sur le coup. Ils sont où, les gens ? Allez, go. On va lancer les mecs. Regardez, ils vont se faire bombarder, ils auront rien compris. Voilà, ils sont venus 2 secondes. Hop. Vous allez voir à quel point c'est efficace. Ça, franchement, c'est les genres de trucs comme ça, limite. On peut faire ça qu'au bombardement, quoi. C'est super facile.
On va aller s'occuper d'ici. Ah, par contre, vous, les mecs, là. Voilà. En vrai, ils sont bêtes, hein. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont faciles, c'est parce qu'ils mettent pas de tourelles anti-aériennes, donc on peut venir les attaquer comme il faut. Allez les mecs, allez, faut réussir. Allez. Bon, sur le coup, on n'est pas super là. Faudrait juste que le bâtiment il explose en fait. Voilà, c'était ce qu'il fallait. Ils prennent le choix de les bombarder. Bon, bref, on n'est pas excellent, je trouve. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réordonner. On va en racheter beaucoup. Et on... Ah, regardez. Le principal, c'est qu'il y en ait deux. Allez les mecs, faut supprimer ce truc là. Voilà, on va faire venir des mecs, si c'est important. Alors faut s'assurer qu'ils remettent pas des trucs. On va devoir y aller. Ah bah on a gagné. Bon bah écoutez, ça fut rapide. En 17 minutes on a dû les avoir. 17-16 minutes. En 16 minutes 40. Et regardez tout ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu des rancors, on a perdu des guetteurs, on a perdu les MTP2A, on a perdu une tourelle anti-aérienne malheureusement. Et regardez, eux, la liste est plutôt longue, hein. Ils ont perdu leur base, etc., leurs usines, des walkers, des rancors. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur, je vais vous la montrer, ça sera sur l'invasion. Si ça vous a plu, je ne peux que vous inciter, ça m'aiderait à continuer, de mettre un pouce bleu, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous encore, voilà, on est bientôt à 340 abonnés, c'est 340, c'est ça. Si un jour j'arriverai à 400, franchement, ça serait super. Sur ce, c'était Emric, salut à tous. Le serveur Magic of Disney m'a demandé de vous parler de leur événement Disney Fan Days qui se passera le dimanche 6 mai sur leur serveur. Pour plus d'informations, je vous demanderai d'aller sur leur serveur Discord afin de pouvoir parler avec eux et demander plus de précisions. Il y aura bien évidemment aussi l'IP dans la description. Sur ce, bon début ou fin de journée. C'était Emric.